like the girls with their nails done now. Salut à tous, c'est Thomas, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13 sur Uncharted Among Thieves. Un endroit très très compliqué, ça fait actuellement une demi-heure que j'essaye de passer ce passage. Et beaucoup trop d'ennemis. Voilà, on se fait spawn kill, malheureusement la partie là est très très difficile. Je suis mort déjà au moins 30 fois. Parce qu'il faut deux chargeurs par ennemi, donc on se retrouve très vite à court de munitions. Attention! Je n'ai plus de munitions. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et finissez-le. Nice. C'est très compliqué. Coucou. Et c'est cadeau. Alors là, je sais pas quoi faire à partir de là. Voilà. Attention. Ce qui revient. Oh, ça c'était beau. Ah, ça c'était moins beau. Est-ce qu'il se prend des coups de lance-grenade, mais il meurt pas. Hein. Voilà, récupère des munitions. Est-ce qu'ils sont tous morts? Est-ce que j'ai enfin réussi? Ah, parce que pour vous dire, j'ai recommencé l'intro. Plusieurs fois. Tellement que c'était compliqué. Donc faut répéter la même chose à chaque fois. C'est pour éviter de vous faire l'épisode à rallonge en faisant que de mourir. Mais le jeu est tellement difficile que... En fait, pendant une grande partie du jeu, le jeu est simple et à la fin c'est très très difficile. Alors il y a eu une double explosion, je sais pas trop ce qui s'est passé. Voilà. On dirait qu'on va devoir grimper là-dessus. Ouais. On va utiliser le chariot. Et voilà. Allez, on pousse le chariot. Beau travail, les gars. Je pense que c'est l'épisode final, hein, les amis. On est à 96% du jeu, donc... Ça devrait pas tarder. C'est assez beau. Je dirais pas que c'est magnifique, mais ça reste assez beau. Pour un jeu d'époque de PS3, c'est quand même relativement incroyable. Et c'est l'air d'être la fin. Le jeu est tellement difficile. Et le minigun a disparu, alors ça c'est... C'est énervant. Grand
lance-roquette. Je ne comprends pas, hein. Je suis désolé, mais je fais que de crever, mais c'est normal, le jeu est très difficile. Attention, ils ont des frondes. Ok, c'est bon. Il y avait juste à arriver dans le tas, quoi. Ah, je trouve ça dommage. La pierre doit bien se trouver quelque part. Allons voir par là-haut. Parfait. Alors si mon perso il marche bizarrement, comme là, et j'ai la touche pour sprinter qui est cassée en fait. J'ai une analogue gauche, le joystick gauche qui est mort. Donc pour ce qui est Call of, etc., je ne peux pas courir. Et mon perso bug. Allez, on y va. Donc j'essaie de terminer ce play tant bien que mal. Je préfère être franc avec vous. Je ne peux pas courir, donc peut-être que certaines morts sont dues à ça. Mais j'attends du coup... une nouvelle manette et je n'ai pas les moyens actuellement de racheter une manette. Super, on y est presque. La voilà, la pierre de Shintamani. J'arrive pas à croire qu'on les ait battues. Elle est belle. Oui, elle est magnifique. Allez, on l'éclate et on se casse d'ici. Attends. Il y a un truc qui cloche. Comment ça? Marco Polo s'est trompé. C'est pas un saphir, c'est de l'ambre. De l'ambre? Oui, tu sais, de la résine fossilisée. De la sève d'arbre. Et une minute. Qu'est-ce qu'il y a? C'est une blague ou quoi? Eh oh, Nate! Je déteste quand il fait ça. Ouais, m'en parle pas. Comment j'ai pu louper ça? Louper quoi? Il n'y a pas vraiment de pierre. C'est de la résine. De la sève de l'arbre de vie. Ok, attends, là je te suis plus. Cet arbre? Non. Celui-là. Le voilà. Lazarevitch. Il se dirige vers l'arbre. Oh mon dieu, les dents noires. Quoi? Les dents noires de ces espèces de gardiens et les corps à Bornéo. Ils ont mangé la résine et ça les a transformés. Tu crois que Lazarevitch prévoit de faire ça? Tu veux vraiment rester dans le coin pour le savoir? Bravo, Sherlock. Bien joué. Flynn? Bon sang. Oh, Harry. Ça va pas, mon pote? Déçu que Lazarevitch soit arrivé le premier. Vous venez juste de le louper. Je me suis dit que j'allais vous attendre pour que vous vous joigniez à ma petite fête. De quoi tu parles? C'est peut-être ce que Zoran voulait depuis le début. Il est plus futé qu'il en a l'air. On peut encore l'arrêter. Elena, non. Non, on peut t'aider. Désolé, ma belle. On n'est pas dans un film. Et t'as rien de l'héroïne qui convertit le méchant et sauve le monde. Ça peut pas se passer comme ça. Flynn, écoute-moi. Tu... Cadeau d'adieu de Lazarevitch. Dommage, y a plus de goupilles. Reviens! Ah! Non. Oh mon dieu. Elena. Ça va. Tout va s'arranger. Allez, on va te sortir de là. Non, arrêtez, Lazarevitch. Allez-y. Pas de question. Allez. Ils sont par là. Oh merde. C'est bon, je la tiens. Couvre-nous. Bloquez leur planque. Bon, par là. Lazarevitch. Bon, bah, c'est parti. Phase finale. Je vais dégager la voie. Allez, ma belle, tu peux y arriver. Oh, sniper, nice. Attends-moi ici. Ok. On va attendre que le mastoc arrive. Voilà, c'est cadeau.
Alors là, ils sont nombreux à me viser. Ok. Ok, on revient. Voilà. On recharge. Encore deux snipers. Loupé. Loupé. Malheureusement, dès qu'il me tire dessus, la visée part à droite. Ok, je suis mort. Voilà. Ok. On est bueno. C'est parti. Ok, on reprend la M4. Alors, je veux bien que tu... Il a bugué. Littéralement. Attention. Un peu plus loin, c'est bon. Reste derrière. Ah, ils sont trop nombreux là. Et couvre-toi, espèce d'abruti. Recule, recule, recule. Retour au point de départ. Ok, ça c'est fait. Grenade. Attention. Je n'ai plus de balles. Je sais pas s'il va venir vers moi. Je n'ai pas de balles. Non, ils vont rester là. Comment je fais? Ah, il reste le pistolet. C'est ce qu'on va voir. Non, ils prennent pas leurs balles. Je peux pas. Grenade ! Comment je fais ? Je n'ai vraiment plus d'armes. T'as pu avoir une arme quelque part ? Je suis coincé, les amis. Amélie va me tuer d'un coup. Je vois une arme à sa droite, mais... Attention ! Ok, le but c'est de te récupérer une arme. Voilà. Ok. On doit bouger. Allez, tu peux y arriver. Sur les sorties de peu. On y va. Elena, ça va? Allez, on va enjamber ça. Regarde où tu marches. Tu vas y arriver. Allez, un grand pas. Okay, on y va. Beaucoup de résistance, hein. Là. Je crois que c'était le dernier. Elena, comment ça va? Pas très bien. Ça va aller. Je compte sur toi. File vers la porte, aussi vite que possible. Attends, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Non, pas question. Écoute, je dois arrêter ça. Non, c'est faux. Je t'interdis de t'embarquer dans cette croisade stupide. Fais-la sortir d'ici. Pas sans toi.
Écoute, si ce truc peut vraiment transformer Lazarevitch et son armée... Non, ne fais pas ça. Si ça peut le rendre invincible et que je n'essaie pas de l'en empêcher... Mais c'est du suicide. Et tu le sais. Partez. Filez le plus loin possible de cet endroit. On est parti pour l'affronter. Chapitre 26, l'arbre de la vie. Désolé, l'ami. Vous n'êtes pas mon type. Alors... Non. Non, 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 c'est pas possible. C'est pas grave. Allez, viens par là, ma salope. Tu me prends pour un con. Hein, tu me prends pour un con. Jeu mal codé avec un cul là. Ah ouais, il est ouf. Voilà. Comme un homme. Viens m'attraper. Il spawn devant toi littéralement, hein. C'est Slenderman. Hein. Allez, viens par là, ma salope. Non. Vous pensez que vous pouvez m'arrêter? Ça fait quand même 40 minutes que j'essaie de le tuer. Bon, 40 minutes, c'est long. Allez. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, on est beaucoup trop libre dans nos mouvements et ça nous perturbe, littéralement. Finir par nous choper à force. Viens m'attraper. Non.
lutterai pas contre votre destin. Allez, saute. Je vais mourir. Je sais pas où qu'il est actuellement. Je suis obligé de fuir, je peux pas le combattre. Mais non! Mais non! Mais qu'est-ce qu'il fait? Vous allez mourir ici. J'aime pas la tournure de ce jeu. T'es en train de courir, mais l'autre il te pourchasse. T'as aucune chance de t'en sortir. Mais regarde comment il saute! Non, ne saute pas dans le vide. Il me court après, hein. Restez debout et battez-vous. Vas-y, approche. Voilà. C'est bon, je l'ai eu. Vous me prenez pour un monstre. Mais vous n'êtes pas différent de moi, Drake. Combien d'hommes vous avez tués? Combien rien qu'aujourd'hui? C'est ça, petit. Pas de compassion, pas de pitié. Non. Vous n'en avez pas la force. Peut-être pas. Mais aussi. Ah oui, là, ça va être incroyable. Si je m'en souviens bien. Ça va être la série de morts. Est-ce que ça joue sur les caméras et tout? Comment c'est scripté, mais ça en vaut le coup. On n'est pas mort. Nate, eh ben, cours. Quoi? Derrière toi. Hein? Attention. Lâche-moi. Allez. Bon, quatrième tentative. Lâche-moi.
Il faut qu'on la sorte d'ici. Allez, debout. Allez, ma jolie. Qu'est-ce que vous avez fait là-bas? Bah, tu sais, on a sauvé le monde. Ok. Tu la tiens? Ah, c'est beaucoup trop lent. On y va. Elena, tiens bon, ok, tiens bon. Allez, reste avec nous. Tu vas t'en sortir, ok? Tout ira bien, tout va s'arranger. Elena, me fais pas ça. Elena! Chef, qui a la gauche? Tout jetché. Bon. Ça a été un long et étrange voyage, tu crois pas? C'est clair. Tu devrais jouer les héroïnes plus souvent. Ça te va bien. Non. Réponds à une question, Nate. Oui? Est-ce que tu l'aimes? Chloé, je suis désolé. Non, c'est bon. Ça va, tout va bien. Juste prends le taureau par les cornes, cowboy. Dis-lui. Chloé. Non. C'est à mon tour de partir. Mais avoue-le. Ce derrière va te manquer. Hé hey, regardez qui n'aurait pas dû quitter son lit. Ouais. Tu parles d'une patiente, têtue comme une mule. Je suis pas têtue, je suis juste active. Alors, pas de saphir géant? Je le répète, non. C'est vraiment sûr? Ouais. C'est qu'une métaphore, Célie. C'est pas les métaphores qui vont t'enrichir, mon gars. Non, je trouverai autre chose. Il suffit d'y croire. Yeah. Ouais, suffit d'y croire, l'espoir fait vivre. Ah oui, parti Chloé. À plus tard. Oh non. T'es un vieux pervers, Sullivan. T'as bien fait, Nate. Je crois qu'il serait d'accord. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, hein? Je sais pas. J'y ai pas encore réfléchi. Bien sûr que non. Évidemment, moi non plus. Bien. Alors, sur une échelle de 1 à 10, à combien tu mesurerais ta peur que j'y reste? 4. 4? Ouais, pourquoi? Un 4? Ouais. T'étais au moins à 8. À 8? Carrément à 8. À 8? Mais ces gardiens méritaient un 8. Non, mais tu te fous de moi. Ah non, ils étaient flippants. Alors c'est quoi un 10? Les clowns. Des clowns? Plutôt que ma mort? Je hais les clowns. Les clowns? Je hais les clowns. C'est pas vrai. T'as cru que j'étais morte? Non. Tu as cru que j'étais fichue? Non. Si, c'est vrai. Je t'ai vu pleurer. Je maîtrisais tout. Et pas qu'un peu. Pleurer? Mm-hmm. C'était la pluie. Non, c'est pas vrai. Tu étais dans les vapes et il pleuvait. Il faisait très beau et tu pleurais comme un veau. Il faisait pas beau et t'étais inconscient. Comme tu veux. J'ai gardé tes larmes dans un pot. J'ai une preuve. Pas trop. Eh bien voilà. Terminé en normal. Une fin très difficile, je vous épargnerai ces moments de rage et de galère. Au montage, il n'y a pas de problème là-dessus.
En tout cas, ce fut une belle aventure, un peu plus longue que le premier opus. Malheureusement, toujours les mêmes soucis de coordination entre les points. Et on voit bien que c'est un portage, hein, parce que vous l'avez vu, j'ai bien traversé la map au bout d'un moment. Donc voilà, un peu les mêmes problèmes du premier. J'espère que pour le troisième opus qui arrivera d'ici quelques mois, sera à la meilleure hauteur au niveau du portage. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Ce que vous avez pensé au niveau positif et au niveau négatif. Niveau positif, ça de l'action, il y en a. Je trouve qu'il y a certaines séquences qui manquaient un peu d'aide. Parce que malheureusement, parfois, on mourait pas mal de fois d'affilée. Au niveau du script, ça cassait un peu le rythme. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, l'abonnement, à mettre le petit commentaire et activer surtout la cloche pour les prochaines vidéos. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous retrouve à très bientôt, excusez-moi, pour un nouveau let's play. Bonne soirée, ciao. I think the girls with their nails done.